Fatoche est née dans les années 20, dans le nord du Maroc. Depuis son décès, je la porte en moi, petite mère en marche dans la chambre du cœur, là où le ciel s'enracine, là où coule la source. Écrasée, toute petite, transportée, toute petite, elle est née dans la famine. Fatoche est née dans la petite commune d'Izmouren. Quand tu prends la route du Kif en venant de Tanger, c'est après Ktam, juste avant Al-Hoceima. Quand elle est née, c'était la guerre. Les Espagnols, les Français, ensemble contre Abdelkrim. Abdelkrim al-Khattabi, du clan des Ouriakhel. Il avait rassemblé les tribus. Il avait réuni les hommes libres. On dit Imaziren en langue tamazirt, au singulier Amazir, homme libre. On appelle ça la guerre du Rif. La guerre, ça a duré 5 ans. Finalement, les avions ont lâché du gaz moutarde. Elle était toute petite. C'est là qu'elle est née. Fatoche Didoche Amroche. Avec son nez en trompette. Les champs sont dévastés. Les cultures détruites. Les sources et le bétail empoisonnés. Les hommes, les femmes, les enfants dans la famine. Plus tard, mais c'est plus tard, une autre révolte matée, elle aussi. Les hommes s'en iront, quitteront les villages. Les autorités distribuaient les passeports. Les hommes partaient pour l'Europe. Ça dégage la région. Une main d'œuvre s'écoule vers la France, la Belgique, la Hollande. Elle monte à cœur ouvert. Train, car, camionnette, lourd et lent. Mais ça, c'est plus tard. À 15 ans, quitter le hameau des parents, la terre. Elle part avec Miloud, son mari, d'Izmouren, lui aussi. La route vers Tétouan, vers Tanger, avec leur charrette à bras, et la toute petite Fatima, leur premier bébé. Pour un temps, il se dépose à Septa, l'enclave espagnole, nommée aussi Ceuta. C'est là que naît Haddouj. Ils reprennent la route vers le détroit de Gibraltar, Jebel Tarek. Fatoche et Miloud se déposent enfin à Tanger. Chercher, trouver du travail, le port, l'usine, la conserverie, la brasserie, la route, les chantiers, la construction. Miloud est levé pour Fajr. Chaque jour, à pied, il avale des kilomètres. Médina, Cap-Spartel, Cap-Spartel, Médina. Aïcha vient au monde,
un autre séjour à Septa. Naissance de Mohammed. Retour sur Tanger et s'installer à Casa Barata. Casa Maison Barata, bon marché. Naissance d'Abd Kader. Chercher du travail. Un jour, Miloud s'en va. Il monte dans le bateau, traverse la Méditerranée. Monté dans le nord, la Belgique, un contrat de maçon. Habiter Saint-Gilles, solitude. Deux ans passent. Fatoche et ses quatre plus jeunes va monter dans le Ibn Battuta. Photo, passeport. Fatoche monte dans le bateau, à cœur tremblant. Ses mains sont grandes comme des montagnes, comme des blessures. Traversée. De l'autre côté, Algeciras, le début de la longue route. Sevilla, Córdoba, Jaén, Bailén, Madrid, Burgos, San Sebastián, Hendaye, la France. Bordeaux, Angoulême, Poitiers, Tours, Orléans, Paris. Elle traverse toutes ces villes qu'elle ne connaît pas. Montée dans le nord, mille Bruxelles, rue des commerçants. Aujourd'hui, la maison de la rue des commerçants n'existe plus. Fatoche et Miloud non plus. Lui rentre définitivement au pays l'été 85. Retour en chaise roulante, une chaise louée juste pour le voyage. Miloud va monter dans l'avion pour la première fois. La ligne Bruxelles-Tanger. Durée du vol, 2h47. Il porte ce jour-là une toque en astrakhan. Je me souviens. L'aéroport, l'hôtesse, la chaise, l'ascenseur, les portes de l'ascenseur. Miloud rentre au pays. D'été. On l'installe dans sa petite maison de Beni Makkada, un quartier de Tanger. Le Rif, c'est trop loin. L'été. Un dernier regard au plafond de la chambre. Un dernier soupir. Allahu Akbar. Fatoche reste seule, infatigable marcheuse, définitivement citadine. Elle poursuit sa course dans les rues de là-bas ou d'ici, ici ou là, le cœur ouvert ne les distingue plus. Un jour, banal, fou comme les autres, aux abords du marché de Casa Barata, une camionnette renverse Fatoche. Écrasée, seule, son corps est ramassé, transporté à l'hôpital Cortobi,
l'hôpital de tous, de Tanger. Loin de Bruxelles, loin de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses arrière-petits-enfants. Fatoche d'or ou Moudjahidin, le plus grand cimetière de Tanger. Entre Miloud et Abd Kader, son petit dernier. Yeah.